Le pire livre pour apprendre le dessin, d'Antonin Louchard. Bonjour, je vais t'apprendre à dessiner. Oui, ben je sais déjà, mais comme c'est gratuit, ma mère m'a dit de venir quand même. Ah, très bien. Alors avant de commencer, examinons un peu ce que tu as dans ta trousse. Ben, des trucs pour dessiner, forcément. Pas des poissons morts. T'es super bien équipé, dis donc. Bravo! J'avais aussi un cutter, mais on n'a jamais le droit de le prendre. C'est nul. Bon, avant de commencer, dis-moi déjà ce que tu sais dessiner. Ben, je sais pas, moi, tout plein de trucs. Alors vas-y, choisis donc une jolie couleur et dessine-moi quelque chose. Par exemple, ce que tu préfères le plus au monde. Tu crois que tu vas y arriver? Quoi? Sans modèle? Oui, c'est un cours de dessin sans modèle. Elle t'a pas dit, ta mère? Non, elle m'a pas prévenu. Mais c'est carrément nul de dessiner sans modèle. Trop nul! Oula, tu as fait drôlement vite, dis-moi. Et c'est très moderne, bravo! C'est quoi? Ah, parce que ça se voit pas ce que c'est, peut-être. C'est une carotte. Ah mais non, c'est pas du tout comme ça, une carotte. J'avais pas de modèle. C'est pas du tout bleu une carotte. Oui, ben ça, c'est parce que j'avais pas de modèle. Et puis c'est pas du tout rond non plus une carotte. C'est parce que j'avais pas de modèle. Et c'est quoi ces petits traits dans tous les coins? C'est pour faire joli. Oui, ben ça ressemble vraiment à tout sauf à une carotte, ton dessin. Ben si, c'est bien une carotte. Moi, c'est une carotte sans modèle. Voilà. Bon, maintenant, à mon tour de dessiner quelque chose. Tu es d'accord? Si c'est obligé. Je vais dessiner un mignon petit lapin. Un petit lapin très gentil, très poli et bien élevé, et qui adore les carottes. Qu'en dis-tu? Nya. Voilà! Tu vois, moi aussi j'ai fait vite pour que tu ne t'impatientes pas. Nul ce dessin. C'est pas du tout un gentil petit lapin très mignon, ça. Ben si! Mais j'avais pas de modèle.